En fait, au départ, c'est parti déjà d'une rencontre avec le fossile, qui était fossile de trilobite que j'ai redécouvert une fois en allant à Londres. J'ai trouvé cet objet. En fait, j'avais fait le lien par rapport à une autre pièce où je prends des petites têtes. Les petites têtes sont faites d'après mon visage et ça m'avait frappé, ce lien à Forbel. Et après, j'ai trouvé des moules en aluminium pour les gâteaux, les moules à chocolat. Et j'ai fait comme ça des espèces de dessins avec cette forme. Voilà, et c'est le post-hominem. Et c'est la première pièce qui est venue de cette rencontre avec quelque chose encore d'alimentaire cette fois-ci. Et ça, et depuis ce temps-là, donc ça, après, c'est allé vers la pâte à modeler de manière un peu spontanée. Enfin, je sais pas, ça a eu cette envie parce qu'en découvrant aussi cette matière-là. Voilà. Et là, ça évolue comme ça. Mais c'est une pièce, je dirais, qui a démarré finalement il y a 2 ans et demi. Déjà de la rencontre du fossile, après du moule à chocolat. Et voilà, depuis ce temps-là, j'essaie un peu d'épuiser finalement, d'épuiser la chose. Là, j'ai récupéré les plaques que j'avais utilisées pour foyer, enfin la pâte comme ça écrasée. Ça a fait des plaques avec la trace du rouleau. Donc là, j'ai envie de les présenter comme des espèces de fragments un peu, enfin, archéologiques. C'est des choses qui m'intéressent, voilà, souvent. Donc voilà. Voilà, c'est une pièce là, qui est vraiment en cours, qui évolue, qui... De toute façon, dans la plupart de ce que je fais, en fait, c'est jamais des états figés. Même la pièce en elle-même, et même en général, la pièce implique déjà autre chose, un autre état, une autre possibilité. Merci. Ouais.